Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une sorte de nouvelle loot cave à exotique. C'est vraiment très rapide, vous allez voir, on va pouvoir enchaîner très rapidement les boss. Alors première chose, il faut acheter le 3 de denier chez Xur. Vous en avez 5 pour 7 pièces étranges, il faudra l'activer. Le 3 de denier sert tout simplement à augmenter vos chances de looter de l'exotique sur le prochain boss que vous allez tuer. Ensuite, il est impératif de s'équiper d'un lance-roquette. Voilà, donc c'est parti. On va tuer Draxis. J'ai tout simplement lancé la mission Le Fléau de l'Hiver sur Vénus. Je vais le mettre low life, hein, vous allez voir, avec mon fusil d'éclaireur. Je vais le DPS jusqu'à ce qu'il soit vraiment low life. Donc vous voyez, hein, je m'occupe même pas des mobs à côté. C'est vraiment Draxis. Voilà, il faut que je le fume, c'est lui. Alors je le DPS à mort. Là, il va juste avoir un garde du cal. Il me semble qu'il va m'énerver un petit peu. Hop, alors je le DPS à mort. Continue, voilà, le petit garde du cal sur la droite qui me faisait vraiment mal. Alors j'ai essayé d'aller le tuer, je sais pas pourquoi. On va revenir à gauche, on va s'occuper de Draxis. Et là, voilà, vous voyez vraiment 2-3 mm, il lui reste. Allez, c'est parti. On tire la roquette. Donc cette fois-ci, j'ai pas eu de chance. Mais pourquoi? C'est très rapide, tout simplement, parce qu'on respawn juste ici. Il y a vraiment pas besoin de retourner en orbite. On va pouvoir enchaîner assez rapidement. Et vous allez voir que cette fois-ci, j'ai eu vraiment beaucoup plus de chance. J'ai eu un engramme exotique. J'ai été le décrypter et celui-ci m'a donné le Télesto, ce nouveau fusil à fusion exotique. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je trouve cette astuce vraiment très rapide. C'est pourquoi j'ai voulu la partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.